Et nous voilà de retour. Alors, les exercices continuent et regardez, nous restons exactement dans la même lignée d'exercices. Essayez de me traduire, s'il vous plaît, cette phrase. Souvenez-vous, nous voulons absolument utiliser « qu'est-ce que ». Alors, comment est-ce que vous pourriez traduire cette phrase avec « qu'est-ce que », s'il vous plaît ? Je vous attends. Alors, Maris est la première à nous répondre. Alors, faites attention, Maris. Vous savez que votre verbe « regarder » doit être à l'infinitif. « Regarder » ER. Tenzin, c'est la même chose. Vous avez utilisé « tu » et c'est parfait. Souvenez-vous, Tenzin, que vous devez utiliser « ER ». « Save the best », c'est parfait. I just call. Qu'est-ce que vous allez regarder? C'est très bien. Qu'est-ce que tu vas regarder? Nous dit Yulia. C'est très bien aussi. Émilie nous donne très généreusement, Émilie, les deux options. Merci beaucoup. C'est parfait. Finzark, c'est très bien. Malèche, oui, faites attention, Malèche, la même chose, votre verbe « regarder » doit être à l'infinitif parce qu'il est après le verbe « aller »,« tu vas » qui est conjugué. Okay, donc, deuxième verbe infinitif. Tout le monde, je pense, a la bonne réponse. Tenzin a corrigé, c'est très gentil. Abir, qu'est-ce que tu vas regarder? Elle, Elena, qu'est-ce que vous allez regarder? C'est très bien. Regardons maintenant la prochaine phrase. Alors, Narmine nous rejoint. Bienvenue, Narmine. Participez à l'exercice, s'il vous plaît. Traduisez la phrase que vous voyez avec une phrase qui doit obligatoirement utiliser « qu'est-ce que ?». Je vois que Finzark a commencé, nous attendons un petit peu pour les autres et après on fera la correction. Alors, faites attention, souvenons-nous de la différence, save the best, entre entendre, to hear, et écouter, to listen, d'accord? Donc ici, c'est plutôt effectivement écouter, donc vous ou tu, c'est comme vous voulez, qu'est-ce que tu vas écouter, nous propose Malèche, c'est très bien. Tenzin, qu'est-ce que tu vas écouter? Émilie, comme d'habitude, nous propose les deux options, merci beaucoup. Finzark nous dit avec vous, c'est très bien. Maris, c'est parfait. Yulia, c'est très bien. Deria, qu'est-ce que tu vas écouter? C'est parfait. Ensuite, je vais... Passang nous répond. D'accord, faites attention, Passang, parce que musique, en français, on écrit Q-U-E. Hein, souvenez-vous, les mots en IC, en français, c'est I-Q-U-E. La seule exception, c'est public. Mahmoud, qu'est-ce que tu vas écouter? Et c'est parfait, pas de problème, on continue avec celle-ci. Faites attention, Mahmoud, votre accent, c'est un accent grave et ça devrait être un accent aigu. Thank you.
Très bien, donc toujours les deux possibilités, tu ou vous, c'est en fonction de ce que vous préférez. Choisissez ce qui est le plus difficile pour vous, hein, comme ça au moins c'est plus efficace. Alors qu'est-ce que tu vas manger ou qu'est-ce que vous allez manger? J'accepte les deux, pas de problème dans ce que je vois. Pas de problème, non, tout va bien. Tarun, bonjour Tarun, participez au cours s'il vous plaît. Alors ensuite, Abir, ça va. Mahmoud, c'est parfait. I just called, faites attention, vous allez aller EZ, d'accord? Qu'est-ce que vous allez manger? Tenzin, c'est bien. Pas 5, c'est parfait. Malesh aussi. D'accord. Faites attention, Tarun, vous dites qu'est-ce que tu manges? Mais ici, l'idée, c'est le futur proche. Hein, qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que vous allez manger? Hein, c'est pas le présent, c'est le futur proche, Tarun. D'accord? Merci. Ensuite, celle-ci, je vous donne une petite minute, s'il vous plaît. Alors effectivement, c'est pas vraiment souvent une phrase qu'on peut voir parce que c'est un petit peu lourd, mais en tout cas, grammaticalement, c'est possible. Qu'est-ce que vous allez vouloir? Qu'est-ce que tu vas vouloir? Je regarde, mais normalement, tout va bien. I just called, faites attention, vouloir, V-O-U-L-O-I-R. D'accord? Maris Flores, faites attention, vouloir. O-I-R, d'accord? Pas 5, faites attention, on voudrait, si c'est possible, pas 5, le futur proche. Qu'est-ce que vous allez, et après l'infinitif, vouloir? Tenzin nous propose, qu'est-ce que tu vas vouloir? Et c'est parfait. Finzark avec un magnifique soleil, merci beaucoup Finzark, qu'est-ce que vous allez vouloir? Et là aussi, pas de problème. Allez, nous continuons avec, comme d'habitude, un petit exercice et regardez cette vidéo. Et la question, c'est à quoi pensez-vous en voyant cette vidéo? Écrivez une phrase et je regarderai. Thank you.
Alors, Akanksha nous répond, ou nous dit, comment tout le monde est beau. Ouais, faites attention, comment, c'est how, mais ici vous voulez utiliser le comme. Hein. On avait fait des exercices là-dessus, donc comme tout le monde est beau. D'accord, effectivement, c'est pas mal, c'est très très bien même. Tarun nous dit, dans cette vidéo, il y a, faites attention, satellite, c'est masculin, Tarun, un satellite. Je vois, Lizarette nous dit, je vois des images de la Terre depuis, alors faites attention, la station, et après on va utiliser un adjectif spatial, S-P-A. C-I-A-L-E. On met le E final parce que station, c'est féminin. Anne Dao nous dit, je pense à un système masculin, un système Internet international. Très bien. Finzark nous dit, je pense qu'il n'y a pas d'oxygène, peut-être. C'est parfait. Malèche nous dit, le satellite autour du monde. Émilie nous dit, il ressemble à la station spatiale internationale. Elle est vraiment importante pour nous car elle collecte de nombreuses informations satellitaires qui nous renseignent sur le monde. Émilie, c'est toujours un véritable plaisir de vous lire. Merci beaucoup. Yulia, alors, c'est toujours mon rêve d'aller, Yulia, dans l'espace. On utilise en général la préposition « dans » et regarder la Terre dans O-H-A-U-T, d'accord? Pas de forme féminine. Ashley, je veux voir ma maison. Ah, je suis désolé, hein. Vous avez vu, c'est une vidéo qui est très courte, donc c'est difficile de voir votre maison peut-être, mais dites-nous si vous la voyez. Finzark nous dit, je pense qu'il y a beaucoup de fantômes. Je le savais. Ils vivent dans, faites attention Finzark, l'espace. L'E-S-P-A-C-E. Berilla nous dit, je pense que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur des hauteurs. Très bien, félicitations. Oui. Akanksha a corrigé, c'est bien. Tarun, très bien, par le satellite. Ashley, tu es bizarre. Qui est bizarre? Je ne sais pas. Alors, Elena nous dit, je pense à ce... Ah, je pense que... Vous pouvez dire, je pense que le satellite est... Pardon. Ah, je pense à ce qu'est le satellite en français. Excusez-moi, Elena, je n'avais pas compris la phrase. C'est bien. Tenzin, je pense que le satellite cherche quelque chose. Ouais. Vous devez, Tenzin, conjuguer le verbe chercher. Vous allez le mettre au présent. Cherche, avec un E final. Tarun, donc le satellite a été surveillé, peut-être, surveillé par le masculin gouvernement. G-O-U-V-E-R-N-E-M-E-N-T. Finzark nous dit l'espace, d'accord. Ashley, non, c'est possible. J'ai les yeux d'un hibou. Eh bien, écoutez, félicitations. Alors, nous continuons, si vous voulez bien, avec un autre exercice. On va travailler sur les abrégements de mots. Il y a quelques jours, on avait travaillé sur les différences de registres et les mots qui étaient du langage parlé. Ici, on va aussi abréger certains mots. C'est pareil, c'est du langage parlé, donc attention, n'utilisez pas ces mots dans toutes les situations. Regardons le premier. Alors, un adolescent, comment est-ce qu'on peut l'abréger? Abréger, c'est rendre plus court, hein, nous sommes d'accord. Thank you.
Alors, je vois qu'Ashley et Julia nous proposent à peu près la même chose. Elena aussi, Maris aussi. Il faudra être un petit peu plus radical, messieurs, mesdames. On va uniquement l'écrire comme ça et c'est un ado, hein, en faisant effectivement la liaison entre les deux. Un ado, c'est un adolescent. Passang, en général, quand on va parler, on ne va pas dire un adolescent, mais on va dire un ado. D'accord ? On continue avec la chose suivante. J'imagine que certaines personnes vont trouver très, très facilement cette petite chose-là. Alors, il semblerait que ça, ce soit plus simple pour tout le monde. N'oubliez pas l'accent, hein. N'oubliez pas l'accent sur le E, AP, un apéro, hein. C'est la même chose. Faites attention, Elena nous dit un apéri. Non, c'est plutôt un apéro. Même chose pour Ice Cubes, hein. Un apératif, non, un apéro. Et effectivement, Ashley nous dit j'en ai besoin d'un maintenant. Mais c'est comme vous voulez. Alors, regardons le prochain. Une décoration. Alors, regardons ce que vous proposez. Donc, certaines personnes sont toujours dans Ado. Peut-être rafraîchissez votre page pour que nous soyons tous synchronisés. Ashley, je pense, doit être le premier. Effectivement, alors regardez. Ashley, on est d'accord que vous mettez le féminin, ce serait sympathique. Et puis, un petit accent sur le E. Et là, je serais un homme heureux. Tout est clair, je pense. Malèche, petit accent, s'il vous plaît. Julia, un accent aussi sur le E. Ce serait formidable. Finzark, encore une fois, plus court. Hein, plus court. Décoration, c'est une déco. Une déco. Vous parlez de la déco d'un restaurant ou peut-être même de votre appartement, de votre maison. Ice Cubes, avec un accent, si c'est possible. Déco. Tarun, plus court. Hein, une déco. Mais en tout cas, c'est bien. Tout le monde participe. Emily avait trouvé. Maris aussi, c'est parfait. Regardons maintenant le prochain mot. Une démonstration. Nous remercions Finzark. Finzark, comme d'habitude pour ces exercices-là, nous propose la liste. Au fur et à mesure, il ajoute les nouveaux mots. Merci beaucoup. Alors, je pense que tout le monde avait trouvé, effectivement. Elena, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre l'accent, si c'est possible. Si c'est pas possible, ne vous inquiétez pas. C'est démo. Attendez, je vais cliquer, comme ça, vous le voyez. C'est une démo, effectivement. Une démonstration, une démo. Faites attention, Anne Dao.
Si vous dites une démon ou plutôt un démon, c'est pas la même chose, hein. Vous n'avez pas envie de rencontrer cette chose-là. Des mots, Elena, oui, avec l'accent, s'il vous plaît. Très bien. Rachel, bonjour Rachel, bienvenue. Et vous pouvez participer à l'exercice. Et nous continuons avec un dictionnaire. Donc Rachel, nous devons trouver des abrégements de mots. Dictionnaire, en général, les gens, quand ils parlent, ne vont pas dire un dictionnaire, mais ils vont dire quelque chose de plus court. Alors, Yulia était la première, mais malheureusement, il y a une lettre de trop, Yulia. Abir, vous, c'est le contraire, il manque une lettre. Andao nous propose quelque chose d'assez intéressant. Malheureusement, vous avez trop de lettres. Jusqu'à maintenant, personne n'a la bonne réponse. Je vous laisse chercher. Elena, rajoutez une lettre et vous serez la première à gagner. Alors, Julia, on est d'accord, dict, c'est pas joli, c'est pour ça que ça n'existe pas. Eh bien, quelle déception. Je vais être obligé de vous donner la solution. Personne n'a trouvé. Regardez, un dictionnaire, c'est un dico. Un dico, c'est un dictionnaire. Allez, on continue avec une exposition. Alors là, j'imagine que ça va être assez facile. Alors effectivement, là tout le monde le trouve, c'est une expo, pas de problème. Encore une fois, merci à Finzark qui nous propose la liste complète des mots que nous avons vus jusqu'à maintenant. Donc une expo, Passang, faites attention, il n'y a pas de S à la fin de expo. Très bien, et ça continue. Regardez, donc c'est une expo et le mot suivant. Thank you.
Alors, regardons, regardons. Donc, tout le monde avait le mot précédent. Félicitations, Malèche. Mali, Maris, c'était très bien. Finzark aussi. Faites attention, Andao, c'était une expo, hein. On garde le genre du mot, hein. Une exposition, donc ce sera une expo. Lizarette avait trouvé, oui. Tenzin aussi. Émilie avait trouvé. Mahmoud, c'est très bien. Habir, formidable. Tarun aussi. Passang, faites attention, je vous avais dit pas de S. Alors maintenant, celui-ci c'était un hebdomadaire. Un hebdomadaire, je crois que. Alors attendez une seconde. Voilà, je dois cliquer, je ne sais pas pourquoi. Des fois, YouTube bloque certains commentaires. Donc, tout le monde nous propose, je pense, un hebdo, effectivement. Marois, on va utiliser aussi le. On va utiliser l'article, hein. Un hebdo, effectivement, donc là il n'y a pas de problème. Voilà. Et maintenant on continue avec un intellectuel. Alors, non, jusqu'à maintenant, tout ce que vous me proposez, malheureusement, vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. Un intel, non. Un intellect, non. Je vous laisse chercher encore. Et oui, Tarun est la première personne à nous donner effectivement la bonne réponse. Bravo, Tarun, regardez. C'est effectivement un intello. Alors, un intellectuel, un intello, on peut le mettre aussi au féminin, une intellectuelle, une intello. Intello, allez, on continue. Merci Finzark. Et cette fois-ci, c'est Berylla71 qui nous donne la bonne réponse. Un labo, effectivement, un laboratoire. C'est un labo. Alors bravo, bravo tout le monde. Je pense que vous l'avez. Habir, faites attention. Mettez juste le O à la fin. Rachel, c'est la même chose. C'est un labo. Passang, un labo aussi. Mais sinon, tout va bien. Pas de problème. Regardez, personnel. Finzark, oui, c'est un labo. Alors, Deria, non, c'était bien, mais Deria, vous pouvez peut-être mettre l'article quand c'est nécessaire, hein. Alors ici, nous parlons de l'adjectif, hein. C'est l'adjectif personnel, donc s'il vous plaît, pas d'article.
Donc c'est l'adjectif, donc pas d'article. Reproposez-moi quelque chose, mais sans article. Et je crois qu'Abir est la première. Ah non, toutes mes excuses, Abir. Je vois que Tenzin avait proposé avant vous. Effectivement, nous sommes d'accord que c'est toujours le même concept. On met souvent des hauts. C'est perso, d'accord. Quand vous dites c'est personnel, vous pouvez dire c'est perso. Faites attention, Berilla, on ne met pas d'article parce que ici c'est un adjectif. La même chose pour Maris. Finzark nous propose un Pepsi. Peut-être que vous avez soif. Alors, faites attention tout le monde, vous avez proposé un pro ou un prof. Faites attention parce qu'un prof, c'est un professeur, et un pro, comme on le voit ici, c'est un professionnel. Donc, un professionnel, une professionnelle, ce sera la même chose, un pro ou une pro, d'accord ? Faites attention, pas de prof, parce que prof, c'est un professeur. On continue avec un propriétaire. Alors, je regarde un petit peu ce que vous me proposez. Je crois qu'effectivement, Akansha est la première à nous avoir proposé un proprio, un propriétaire ou une propriétaire. Ce sera effectivement un proprio ou une proprio. Allez, regardons le mot suivant. Alors, et ce sera le dernier, si ma mémoire est bonne, pour cet exercice, et ce sera un restaurant. Deux possibilités et deux écritures possibles. Mais le même son. Alors, effectivement, merci encore Finzark, hein, c'est très très gentil. Regardez, nous avons les deux orthographes possibles. On les prononce de la même façon, c'est un resto, d'accord ? Mais vous pouvez voir les gens écrire resto, R-E-S-T-O ou R-E-S-T-A-U. Mais en tout cas, on les prononce resto dans les deux situations. Alors, maintenant, nous allons faire encore un petit exercice. Vous connaissez la tradition, j'imagine. Regardez, à quoi pensez-vous en voyant cette vidéo ? Thank you.
Alors, je suis en train de voir ce que Ashford a dit et c'est pas mal. Alors, Tarun était le premier à nous écrire quelque chose. Tarun, vous devriez mettre un verbe. Vous dites cette vidéo à propos de. Alors, normalement, on va dire avec un article, hein, de l'univers, L apostrophe, mais vous devriez mettre probablement le verbe être. Cette vidéo est, hein, ce serait peut-être la meilleure solution. Et vous continuez, Tarun, avec il y a des planètes. Oui, petit accent aigu sur. Pardon, accent grave sur planet. Accent grave. Budgies nous dit il y a des planètes. Très très bien, Budgies, faites attention. Il y a. Vous allez mettre un petit espace entre le Y et le A. Il, I, espace A, d'accord. H-Bird qui nous dit, et c'est ça que je trouve formidable, je pense que je ne sais pas quoi dire. Très bien, retirez votre préposition A. Je ne sais pas quoi dire. J'adore ça, merci. Ensuite, Akansha qui nous dit « La Terre est la meilleure planète !» Très bien, une sorte de patriotisme planétaire. Alors, ensuite, Tarun nous dit « Le Soleil », d'accord. Essayons de faire des phrases, s'il vous plaît. Emily nous dit « Il montre le système solaire et je pense à toutes les planètes et mondes qui existent au-delà de la Terre. » C'est parfait, Emily. Anne Dao nous dit « Je pense... » Oui, faites attention, A plus les, ça se transforme en O. A-U-X, Anne Dao. « Je pense au programme à la télévision. » Passang nous dit « Je pense, pas de S, P-E-N-S-E, que... qu'il y a beaucoup de coronavirus et de bactéries. » D'accord. C'est bizarre, c'est pas connecté à la vidéo, Passang. Mais bon, nous sommes libres. Ensuite, Finzark nous dit « Je pense à le bol. » Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, Finzark. Qu'est-ce que c'est le bol? Le bol n'existe pas en français. Est-ce que vous pensez au ballon? Je pense au ballon, je pense à la balle, je ne sais pas. Marwa nous dit « L'espace ». Idéalement, Marwa, ce serait bien d'écrire une petite phrase. Ice Cubes nous dit « Je pense que nous sommes, avec un S, nous sommes très petits ». Avec un S, dans cet univers, et pas de E final. Malèche nous dit, je pense que... Attendez, oups, ça y est, je suis perdu, Malèche. Non, c'est bon. Je pense que le soleil brille. Alors, souvenez-vous, Malèche, le verbe, c'est briller. B-R-I-L-L-E-R. Donc, je pense que le soleil brille, on va le conjuguer, par des planètes dans l'espace. Elle est un petit peu bizarre, votre phrase, Malèche, mais je pense que le soleil brille par, est-ce que vous voulez dire parmi les planètes dans l'espace. Budgies nous dit, je pense que je suis une astronaute. Ouais, astronaute, N-A-U-T-E, astronaute, d'accord. Tatiana, bonjour Tatiana, nous dit, je pense que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Regardez, je pense que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Très bien. Julia nous dit, alors attendez, c'est la même chose, j'ai perdu la phrase. En voyant cette vidéo, pas de préposition, je pense à la tranquillité, la solitude et la magie de notre univers. Parfait, notre avec un E, s'il vous plaît. Alors... H-Burn dit, est-ce que c'était correct? Oui, c'était correct. Pas de problème. J'ai un doute maintenant. Alors, Tarun dit, c'est une galaxie, d'accord. I Just Called nous dit, comme nous sommes petits dans ce vaste. Ouais, c'est bien. Vaste avec un E final, s'il vous plaît. Ice Cube, je ne peux pas voir notre planète dans cette vidéo. Lizarette, je vois des planètes avec leurs satellites dans le flux d'astéroïdes en orbite autour du Soleil. Oh, c'est magnifique, Lizarette. Berilla nous dit, je pense que... Attendez, je pense que c'est l'univers avec ses planètes. Très bien, Finzark, je pense au ballon, d'accord, j'ai compris. Ensuite, je regarde, tout le monde a fait ses corrections, d'accord. Ashley nous dit la dernière planète, c'est plutôt gros.
Alors, et finalement, Maris, le système solaire, ils ont les 8 planètes. Oh, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus. Merci beaucoup. Voilà, ce sera la fin pour la fin de ce cours. C'était vraiment très très sympathique. J'espère que je serai à l'heure tout à l'heure. Normalement, effectivement, c'est à 6 h, heure de Paris. Et puis, je vous remercie. C'était vraiment très très sympathique de passer ce temps avec vous. À tout à l'heure ou à plus tard.